Good morgen, allez, Yiden, les suisses aujourd'hui, les Nishmat, Richard, Ben Fortune, Mazal, Kolod, Yitzhak, Ben Fortune, Mazal, Rosette, Bat Mahlouf, Rosette, Zara, Bat Mahlouf et Sultana, et Maurice, Moshe, Ben Mahlouf et Sultana, si vous souhaitez aussi d'aider dans la prochaine du Misha, contacter 5 minutes éternelles. Nous étions à Seretsuka, Perek, He, Mishnah, Aleph, et Khalil, Hamisha, Vishisha, Zeu Khalil, Shel Bet, Ashoeva, Shel Nodoche, Loet, Ashabat, Veloet, Yom Tov, Amro, Kol, Michel, Ora, Simchat, Bet, Ashoeva, Lora, Simcha, Miyamav. Mishnah qui se réfère à la première Mishnah du Perek Dalet. Vous vous rappelez, au début du 4e chapitre, on avait introduit toutes les mesures de Sukkot avec le nombre de jours dont ils étaient en vigueur. On a parlé de Lulava Rava, on a parlé de Sukkah, on a parlé de Halel Vasimcha, et on a parlé de Nisuch HaMaim. Et donc Nisuch HaMaim, c'était les deux dernières Mishnayot du Perek précédent, où on avait expliqué qu'en fait, il y avait une oblation d'eau à faire au Beth Amikdash le matin. Eh bien, pour se préparer maintenant à envoyer les envoyés qui allaient puiser de l'eau. Ben figurez-vous qu'on passait la nuit à se préparer. Mais on ne se préparait à quoi? Il n'y avait rien à faire. On se préparait à chanter et à danser pour le faire avec joie. Comme nous dit le pasouk, « Ush avtem maim besason mi maine hayeshua » et vous puiserez de l'eau dans la joie des sources de la geoula, de la délivrance. C'est-à-dire en fait, pasouk parle de manière métaphorique pour me dire en fait pour me dire qu'on puisera, on compare en fait la délivrance, le moment où Hachem dévoilera son kavod sur terre. Ça, c'est la délivrance. C'est comme une source que par là je puise aujourd'hui des forces vitales pour vivre aujourd'hui. Et effectivement, c'est rapporté dans les Rochalmi que Simchat Bet HaShoeva, d'abord la joie du Bet HaShoeva, littéralement la joie de Bet HaShoeva, de la maison où on allait puiser de l'eau, c'est-à-dire là-bas on envoyait les envoyés pour aller puiser de l'eau. Mais en réalité, il y a les Rochalmi qui expliquent que là-bas, il y avait une joie tellement intense, il y avait les plus grands rabbanim qui dansaient eux-mêmes, entre parenthèses, il n'y avait que les rabbanim qui dansaient, que les Talmidei Tzadikim et les gens simples, ils étaient sur le côté, ils regardaient et ils se réjouissaient de voir les rabbanim se réjouir. C'était un grand mamad de grand Kvod HaTorah, vous imaginez, après avoir passé Rosh Hashanah et Yom Kippour, Sukkot, c'est un moment où, une fois qu'on était avec tout le din, avec toute la crainte, et avec tout réellement le jugement, c'est le moment maintenant de se réjouir avec Hachem, qu'Hachem dirige le monde, et qui dirige notre vie, et qui nous juge, qui nous donne à chacun, et de ça, on puisait aussi le Ruach HaKodesh. On rapporte que Yonah ben Amittai, par exemple, Yonah ben Amittai, il y en avait qui encore? Il y en avait encore un deuxième, j'ai oublié c'était qui lui-même était devenu Navi simplement grâce à la Simchat Bet HaShoeva. Simplement grâce. Grâce à, c'était le détonateur peut-être, il partait là-bas, il se réjouissait tellement de proximité avec Hachem que grâce à ça justement, il méritait de s'élever. Recevoir le Ruach HaKodesh, recevoir la Nevoa, ça implique un état d'exaltation très fort au point où on se rapproche très fort d'Hachem. Et donc, il puisait de là-bas la simcha, justement. Là, je commence à traduire maintenant la Mishnah, et Khalil, la flûte, littéralement. Pourquoi est-ce qu'on appelle la flûte de la simcha de Bet HaShoeva? Parce qu'en réalité, puiser de l'eau, on le faisait pour tous les jours, bien sûr. Alors, comme on avait vu, parce que c'est pour le Shabbat, on avait quand même l'eau. Mais la simcha de se réunir la nuit et de chanter et danser avec l'orchestre des Lévim, c'était que 5 et 6 jours. On va expliquer pourquoi. Mais d'abord, pourquoi on a parlé de Khalil alors qu'il y a tout un orchestre? Parce qu'en fait, lorsqu'on a un orchestre, c'est en général tout l'accompagnement, et celui qui fait le solo avec la petite voix fine qui se fait bien distinguer, c'est la flûte. Et donc c'est pour ça qu'on appelle tout ça le Khalil, la flûte. D'accord? Ça durait 5 et 6 jours. Pourquoi 5 et 6 jours? C'est très simple. Parce que Zeu Khalil Shalbet HaShoeva, c'est la flûte de qu'on sifflait à la Simchat Bet HaShoeva, que Shenodo Chelo et HaShabbat Volat Yom Tov. Parce que cette flûte, c'est des instruments en fait, ils ne repoussent ni le Shabbat, ni le Yom Tov. Or, on a 7 jours de Sukkot. C'est-à-dire 8 avec Shemini Atzeret, mais Shemini Atzeret, c'est plus Sukkot. Il reste 7 jours de Sukkot. Vous supprimez le premier soir de Yom Tov, il n'y a pas de Simchat Bet HaShoeva, il n'en reste plus que 6. Selon la configuration, si on va avoir Shabbat qui va tomber en plein milieu de la semaine, eh bien, le soir de Shabbat, on ne fera pas non plus la flûte. Donc, ou les instruments. Donc, on va se retrouver avec la Simchat Bet HaShoeva qui va durer 5 ou 6 jours, selon la configuration. D'accord? Entre parenthèses, pourquoi ça ne repoussait pas le Shabbat et le Yom Tov? Ça fait aussi l'objet d'un petit débat, parce que c'est bien que jouer un instrument à Shabbat, c'est un interdit que Midrabanan. Parce que si toutefois l'instrument n'est pas bien comme il faut, il n'est pas bien une guitare, qu'il va falloir lui régler les cordes, les retendre un peu,
Alors là, dans ce cas-là, faire ça, on transgresse un interdit de la Torah. Mais tant que simplement le fait de gratter, et le fait de siffler, de faire de la flûte ou quoi que ce soit, il n'y a pas d'interdit de Horeta, juste un interdit mais des Rabbanan. Malgré tout, Khamim ont interdit, donc du coup, ils ont annulé qu'on n'allait pas jouer de la musique. Bien que de manière générale, beaucoup d'interdits de Rabbanan étaient levés au Beth Amikdash, ils étaient levés qu'en rapport avec la Avoda, ce qui était un des rituels du Beth Amikdash. Or, cette flûte-là, ça ne faisait pas partie du rituel, c'était qu'une préparation en pleine nuit pour se mettre en ambiance, on supprimait pendant Shabbat et Yom Tov. Amrou, on disait, il y avait une légende qui nous racontait, comme Mishora Simchat Bet HaShoeva, toute personne qui n'a pas vu la Simchat Bet HaShoeva, qui n'a pas vu c'était quoi la grande joie qu'il y avait, eh bien, Laura Simcha Miyamav, il n'a jamais vu c'est quoi une Simcha de sa vie. Il n'a pas vu une exaltation vraiment forte, où tout le monde se réjouissait, tellement purement et profondément, eh bien, ça se passait que la Simcha de Bet HaShoeva, celui qui n'a pas vu ça, il n'a jamais vu c'est quoi une vraie Simcha. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlacha, Kol Tov, Salam.